Bonjour tout le monde. Hello everyone. Thank you for joining us. Earlier today, Canada took part in a replenishment conference for Gavi, the Vaccine Alliance, which was hosted by the United Kingdom. Gavi does incredibly important work around the globe, delivering vaccines to some of the world's most vulnerable. They've also been helping developed countries to respond to outbreaks like COVID-19. Gavi saves lives, and Canada is doing its part. Now I want to turn to what is happening later today. This afternoon, we'll be releasing new modelling on COVID-19 in Canada. We'll have more details then, but for now I want to talk about the main takeaways for these projections. The data shows that we are continuing to make progress in the fight against this virus. In many communities, the number of new cases is low, and we can trace where they came from. That's an encouraging sign that the virus is slowing, and in some places, even stopping. But I want to be very clear. We're not out of the woods. The pandemic is still threatening the health and safety of Canadians. Across the country, and especially in areas where we continue to see large numbers of cases, of new cases, as well as in places like long-term care facilities and seniors' homes, the situation remains serious. So while we start loosening some restrictions, we also have to strengthen other measures like testing and contact tracing. And as people head back to work, it's even more important that we keep a 2-meter distance from others, wash our hands, and wear a mask where physical distancing is not always possible. This is key to keeping us safe and keeping the situation under control. Plus tard aujourd'hui, on va rendre publiques les dernières projections. La bonne nouvelle, c'est que les données démontrent qu'on est clairement en train de ralentir la propagation du virus à travers le pays. Mais on n'est pas sorti du bois. La COVID-19 menace toujours la santé et la sécurité des Canadiens. La situation demeure grave, surtout dans les régions où on continue de constater un grand nombre de nouveaux cas et dans les centres de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées. Donc, même si on commence à reprendre certaines activités, on doit resserrer d'autres mesures, comme le dépistage et la recherche des contacts. Et alors que les gens commencent à retourner au travail, c'est encore plus important qu'on continue de se laver les mains, de garder une distance de 2 mètres avec les autres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas toujours possible. Autrement, on risque de perdre les progrès qu'on a réalisés et surtout, on doit continuer à protéger nos aînés. Même si on commence à rouvrir l'économie, nos parents et nos grands-parents doivent continuer de rester chez eux autant que possible. Le confinement a un impact sur leur santé mentale, leurs finances personnelles et leur qualité de vie. When this crisis first started, our seniors could count on a strong public pension system for steady income. The Canada Pension Plan, Old Age Security, and the Guaranteed Income Supplement were our first line of defense. But over time, this pandemic has made life more expensive. Seniors haven't been able to take public transit. They haven't been able to go to a store or shop the sales because of the virus. Instead, they've had to rely on deliveries to get things they need, and it adds up. And what makes things even harder is the fact that this is the new normal for many of them, at least for a little while. Even as we start to reopen parts of the economy, many seniors will have to stay home for longer to protect their health. And that's really weighing on them. So our government stepped up to help them weather this storm. In April, more than 4 million low-income seniors received a GST credit top-up worth an average of $375 for people who are single and $510 for couples, automatically in their bank accounts. This was a first step. We also announced that people receiving old age security would get an extra $300 to offset some of the extra costs they've had to cover because of the virus. And to give even more support to low-income seniors, we said that seniors on the Guaranteed Income Supplement would get an additional $200. That means if you are one of the 2.2 million elders receiving both OAS and GIS, you'll get an additional $500 to help you with everyday expenses. And today, I can confirm that you'll be getting that money the week of July 6th.
This COVID crisis is tough on seniors, and that's why these additional funds will make a difference, with up to $900 for single seniors and up to $1,500 for couples. Depuis le début de la crise, on a entrepris plusieurs mesures pour aider les aînés avec leurs dépenses quotidiennes. En avril, plus de 4 millions d'aînés à faible revenu ont reçu plus d'argent directement dans leur compte de banque lorsqu'on a bonifié le crédit pour la taxe de vente. On parle en moyenne de 375 $ pour les aînés vivant seuls et 510 $ pour les couples. On a aussi annoncé qu'on accorderait 300 $ de plus à ceux qui touchent la sécurité de vieillesse et un 200 $ additionnel à ceux qui reçoivent en plus le supplément de revenu garanti. Et aujourd'hui, je peux confirmer que les gens recevront cet argent la semaine du 6 juillet. Alors, au total, en paiement supplémentaire à cause de cette crise, les aînés et les aînés vivant seuls pourraient recevoir jusqu'à 900 $ et les couples jusqu'à 1 500 $. En même temps, on appuie des programmes et des organismes qui améliorent la qualité de vie des personnes âgées. Par exemple, on investit dans le programme Nouveaux Horizons pour permettre aux organismes affiliés d'adapter leurs services aux réalités de la pandémie et d'aider les gens à rester en contact avec leur famille. On accorde aussi des fonds à des partenaires comme Centraide, Fondation communautaire du Canada et à la Croix-Rouge pour contrer l'insécurité alimentaire et offrir plus de services aux aînés vulnérables. Alors qu'on envisage la reprise, on ne peut pas oublier qu'on n'est pas tous dans la même situation. Beaucoup de gens, dont les personnes âgées, devront demeurer vigilantes et suivre des consignes spécifiques pour protéger leur santé. Et notre gouvernement sera là pour les appuyer. Plus tard ce soir, je vais m'entretenir avec les premiers ministres des provinces et des territoires lors de notre appel hebdomadaire. On va continuer la conversation qu'on avait commencée la semaine dernière sur la réouverture sécuritaire de l'économie, incluant sur les fonds qui ont été annoncés pour les municipalités plus tôt cette semaine. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres.